Je vais vous faire une démonstration du module Stereo Mixer de JP Synth. C'est un module Eurorack. Il mesure 8 HP. Il consomme seulement 15 mA. Il est peu profond, fait qu'il s'accommode très bien dans n'importe quelle boîte de style skiff. J'ai appris qu'est-ce que ça voulait dire. Skiff, c'est un bateau peu profond pour aller dans des rivières ou des cours d'eau peu profonds. Il y a une particularité que j'aime bien dans les modules de JP, Jean-Pierre Martineau, c'est que l'alimentation peut se brancher either way, c'est ce qui est marqué à l'arrière du module, c'est-à-dire qu'on n'a pas à se soucier de la petite ligne rouge, donc on ne fera pas sauter notre alimentation ou le module. C'est bien pratique. Ce module a 4 entrées stéréo pour une sortie stéréo. Donc 4 entrées stéréo indépendantes avec un volume pour une sortie stéréo. Un petit détail pour ce module, c'est qu'on peut brancher une source mono et elle va se répéter dans l'autre entrée. C'est-à-dire ça va faire un convertisseur mono à 2 sorties, les 2 sorties stéréo. C'est pratique des fois. Des fois, on veut envoyer une source monophonique à un module qui a des entrées stéréo, puis lui, il ne fait pas cette conversion-là. Fait que ça donne un signal similaire dans les 2 inputs du module d'effet. Dans cet exemple, je vais utiliser 2 modules stéréo mixer. Okay? Donc, je vais prendre les sorties de un module, les sorties stéréo, je vais les brancher dans les entrées. L'entrée numéro 4. Non, pas de numéro, mais disons que ça, c'est l'entrée numéro 4. Donc, on va avoir maintenant un mixeur avec 7 entrées stéréo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celle-là, la dernière, est utilisée pour l'autre module pour faire ce qu'il appelle un daisy chain, une marguerite de chaîne. Voilà. Pourquoi aurais-je besoin de 7 entrées stéréo? C'est parce que dans mon système, je vais utiliser pour l'exemple une source sonore qui a 2 sorties stéréo. Il y a une sortie stéréo dans le fond. Et ces sorties-là, je vais les distribuer à 7 effets stéréo en parallèle. 2 sorties du Nebula qui vont aller dans les 2 entrées du ZDSP, ainsi que les 2 entrées du Cloud, ainsi que les 2 entrées du QPass. Et je vais avoir une entrée seulement qui va aller dans le sampling mini delay de Synthesis Technology, ainsi que 2 sorties aussi qui vont aller dans le Demora, qui est une espèce de délai fait par Roland, et 2 sorties qui vont aller dans les 2 Lo-Fi Junkie ici. C'est un genre de compresseur salisseur de son, et ainsi que 2 entrées qui vont aller dans le Magneto. Avant ça, on va vérifier si le stéréo mixeur fonctionne. 9, 8, 7, 6. On voit ici que là, il y a juste une sortie qui rentre et puis on l'entend dans les 2 haut-parleurs. Blast off. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Blast off. Bon, ça fonctionne. Maintenant, j'aimerais distribuer les sorties du Nebula pour qu'elles s'en aillent dans tous les modules d'effet, mais en parallèle. Je vais utiliser un multi, mais qui a un buffer. Donc, je ne veux pas perdre le signal en juste le divisant et le divisant en plusieurs. On va y donner une chance et on va y mettre du voltage en dessous. Donc, JP Synth fait un module qui s'appelle le Buffers. C'est-à-dire que c'est un multi qui a une alimentation. Donc, on peut prendre un signal de voltage et le distribuer dans beaucoup. Donc, un signal de voltage peut être distribué dans 9 modules sans avoir de perte de voltage car il est alimenté. Il y a une belle particularité, c'est qu'il y a un petit DEL qui indique qu'il y a un signal. Bon, je prends mes 2 sorties ici. Donc, je vais prendre des petits fils. Le premier s'envole dans le Demora. Je veux garder le signal stéréo. Donc, j'utilise 2 multi. Fait que ces entrées vont se multiplier en 3. Bon, on peut voir ici qu'il n'y aura pas assez. J'ai besoin, en fait, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 sorties. Lui, il va m'en donner seulement 6. Je vais utiliser un autre buffer multi ici qui va m'en donner un autre 6. Et j'ai besoin juste d'une sortie mono pour le sampling delay. Je vais utiliser juste un des côtés. Bon, ici, c'est un buffer multi de IntelliGel. C'est le même principe que celui du GP Synth. Alors voilà, je vais utiliser mes plus petits fils en premier, donc le Q-Pass ici. Bon, pour récapituler, le Nebula s'en va dans le buffer multi ici, et il est distribué au Demora, et ainsi qui est stacké, je ne sais pas comment dire en français, mais avec des stackables, il va dans l'autre buffer multi pour pouvoir avoir maintenant 6 autres sorties pour distribuer. On distribue pour le cloud maintenant. On s'occupe seulement des entrées. Les sorties, c'est dans un autre chapitre. Alors, je prends une autre sortie qui, elle, va aller dans un des Lo-Fi Junkies. Une autre sortie. Peut-être un noir, ça va marcher. J'essaye de ne pas faire des trop longs fils. Lo-Fi Junkie, Clouds, Q-Pass, Demora sont faits. On va faire maintenant le Monsieur Magneto. En tout cas, il y a du signal. On voit bien ici. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Bon, le gros ZDSP, il se rend très bien. Bon, on a le ZDSP, le Clouds, le Q-Pass, le Demora, le Magneto et les deux Lo-Fi Junkie. Donc, il nous reste juste... Mais un petit détail, je me rappelle que l'entrée du sampling delay a tendance à saturer assez vite. Donc, j'aimerais prendre ce signal et je vais l'atténuer avec un GP Synth atténuateur, qui sont très pratiques. Ce que tous les autres modules ont à peu près des atténuateurs pour les entrées. Le Cloud a un atténuateur, le ZDSP... Ah, le Q-Pass n'a pas, mais il est capable d'en prendre. Le Demora aussi a un atténuateur pour l'entrée. Les Lo-Fi Junkies n'en ont pas besoin. Magneto, ils ont tout ça. Bon, branchons maintenant les sorties du ZDSP. Commençons avec le ZDSP. On va aller dans l'entrée numéro 1 du stéréo mixeur. Sans effet. Et ça fonctionne le ZDSP. Maintenant, on prendra les sorties du Clouds dans l'entrée numéro 2 du premier mixeur. Oh, il y a de l'air vouloir fonctionner en petit mono. Encore un fil gris. Voilà. Fonctionne-t-elle? Oh oui. Bon, ça fonctionne. Maintenant, le Q-Pass. On va prendre les sorties low-pass. Fonctionne-t-il? Oui. 3, 2, 1, 0, left off. Ça fonctionne. Je m'en sers comme espèce de sub-générateur. Monsieur le délai. Madame, le mini sampling delay à dire. On vérifie maintenant. Ah, il va dans l'entrée numéro 4. On va vérifier s'il fonctionne. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça fonctionne. Maintenant, les Cowboy Junkies, les Instant Lo-Fi Junkies, les voir qui fait comme une espèce de cassette simulateur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, le Magneto, les deux sorties du Magneto.
Mm-hmm. Il nous reste maintenant le Demora, qui est un autre délai. Donc c'est un peu la folie dans mon système, que j'ai une source sonore, le Nebula, qui va dans le ZDSP. En parallèle, elle va dans le Cloud, ainsi que dans le QPass, ainsi que dans le Mini Sample Delay, le Demora, les deux Lo-Fi Junkie et le Magneto. Est-ce que le Demora fonctionne? Bon, on dirait que tout le monde fonctionne. Nous récapitulons maintenant. La première entrée, c'est le ZDSP. Le deuxième ici, c'est le Clouds. Le troisième, c'est le QPass. Le quatrième, c'est le mini-délai. Fonctionne bien. Après ça, l'entrée numéro 5. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont les Lo-Fi Junkies. 3, 2, 1, 0, blast off. 8, 7, 6. Après ça, on a le Magneto. Et le Demora. Et maintenant, amusons-nous.
good night, good morning, good evening, and good night. 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 Good morning, good evening, and good evening, and good night. Good good morning, good evening, 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 good morning, good evening,